Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Donc, nous avions en mission parlé à Osorn au domaine. Voilà, c'est parti. On y va, on enchaîne. Vous avez retrouvé votre lumière ? Eh ouais. Je sais pas comment vous avez fait, mais tant mieux. Parce que nous allons en avoir besoin. Ah merde. Il reste encore beaucoup de survivants au dehors et ils ont besoin de notre aide. Nous devons faire savoir que le domaine est un lieu sûr. J'ai envoyé un type dans la ZME il y a quelques heures pour installer un réseau de communication. Il s'appelle Devrim Kay. C'est un type bien et un sacré tireur. Mais ne lui répétez pas ça. Rendez-moi service. Allez lui donner un coup de main. Vers le fragment. Oui, madame. Voilà. Hop, j'enchaîne un peu les épisodes, je suis désolé. Oui, non, je veux pas. Je veux pas t'acheter quoi que ce soit. Je vais essayer de garder un maximum de l'humaine pour la fin. Ça va être extrêmement utile, hein. tout l'humaine sera utile. Hop, c'est parti. Nous devons donc sélectionner la terre pour ouvrir la carte de destination. D'accord, oui. Oui. Oui, je confirme. Ouh, c'est joli. Donc, la guerre rouge, Devrim Kay et Trossland, don d'atterrissage. Bah écoute, on va là. C'est parti. Ah, j'aurais dû appuyer sur Devrim pour le sélectionner en tant que mission, j'imagine, ou qu'objectif. Bon, ce n'est pas grave. On peut encore le faire une fois posé sur la planète. Terre. Qui plus est. La Terre. Alors, je suis désolé, The Snob. Hein. The Snob Claptrap, qui me dit que... Enfin, je sais pas si... Qui me dit que je peux rester dans deux clans. Je ne sais pas. Par conséquent, je préfère prendre cette décision-là. Et agrémenter mon clan à moi, personnel. Même si vous avez vos pouvoirs, ne prenez pas la grosse tête. La ZME est difficile, surtout aux alentours du village. D'accord. Merci, madame. N'oubliez pas. C'est encore plus dur pour les réfugiés de la cité. Si vous voulez les aider, trouvez Devrim Kay. Oui, madame. Je vais rester tout terne. Je suis un interne. Je suis désolé, hein. Moi j'aime bien les trucs qui claquent un petit peu, hein. Surtout quand je suis un espèce de bouclier détenteur de la foi, machin tout ça, paladin de la mort qui tue, paladin de Voltron. Non, c'est pas ça, c'est... Non, non. Utilisez vos... Non, faut pas que je... Tu veux bien me... Raté. Oui, du coup, que je me souvienne, voilà. Voilà, j'aimerais que tu... Voilà, hein. C'est parti. Boum. Hop, merci d'être venu. Plate de réfugié. Ah, la queue le. Alors, le problème, c'est que je sais pas si, pardon, je vais pouvoir trouver des coffres dans la zone ou n'importe quoi. Prendre l'ombre l'homme. Fragment d'ombre l'homme, échangeable. Ok. C'était ça qui faisait le bruit. Me tire pas dessus, j'étais même pas agressif. Allons-y. Ah, c'est pas un fils de snipe, hein.
Bonjour. Ah. De la visite. Et je n'ai même pas de thé à vous offrir. Oh. Les temps sont durs. Éternel tireur d'élite, gentilhomme. Service. Ancien du régiment, quand la cité existait encore. D'accord. Désormais, je suis là pour servir ma chère amie Soraya Osorn. L'objectif premier est de contacter les autres réfugiés et de leur parler du domaine. D'accord. Il faut donc bâtir un tout nouveau réseau de communication. Pourquoi pas ? Je suis ingénieur de métier. D'être un très bon tireur, les déchus me donnent du fil à retordre. Vous savez vous y prendre avec l'ennemi, si j'ose dire. J'ai vu de quoi les gardiens sont capables. Bien, il est temps de laisser parler la poudre. Qu'en pensez-vous ? Vendu. Objet de mission. Coque de la ZME. Merci. Et je te laisse avec tout ça et tous les trucs que tu veux, je les donnerai à la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous le faites tard, apparemment plus les niveaux seront importants. Ok. Puissance conseillée, 30 plus. Plus 30. Ok. Détruire les coffres dans un rayon de 30 mètres dans la... Oh ! Ah ouais, bon bah... Je suis pas méga fan du principe de changer la coque sous prétexte d'avoir des choses, mais... Alors comment suis-je censé découvrir un coffre ? Ok, bon bah c'est parti, on commence l'aventure! Allons-y, il y a une bannière au rez-de-chaussée. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil? Dis-moi. Ouh, c'est joli ça, oui d'accord, ok. Examiner. Vas-y. C'est le sceau d'une maison déchue, mais je n'arrive pas à le reconnaître. Moi non plus. On dirait que les déchus ont installé ça comme une menace. J'imagine que vous allez trouver plein d'objets remplis d'histoires comme celui-ci par ici. Pour commencer notre travail dans cette zone, il va nous falloir des ressources. Essayez de trouver une cage dans un des bâtiments à proximité. D'accord. Peut-être qu'il va m'expliquer comment je suis censé utiliser le... On va plutôt le laisser couvrir la zone en question. Non, il fait pas apparaître ni rien, c'est bizarre. Étrange. Non, je suis censé avoir. Bizarre. Je me demandais si ça a vraiment une utilité ou pas. Prendre le butin. Jeton de la ZME, cool. Pour survivre, nous allons devoir profiter de chaque occasion qui se présente. Gardez les yeux bien ouverts pour trouver d'autres ressources dans ces territoires sauvages. En parlant des territoires sauvages, il y a un symbole sur le mur de l'église. Pourriez-vous aller vérifier ? Un symbole sur le mur de l'église. Je dois faire quoi? De l'archéologie aussi tant qu'à faire? Vendu. Archéologie, nous voilà. Ah oui, d'accord. Devrim, d'où vient ce symbole? Je crois que les chasseurs de la cité les ont disséminés un peu partout dans la région pendant leur mission de reconnaissance. Je pense qu'ils voulaient indiquer quelque chose de spécial. Ou de dangereux. Voilà, très simple, ce sera d'aller par ici. Allons voir. Ce sera ce qu'on appelle un secteur perdu, si je me trompe pas de nom. L'histoire de cette région est fascinante. Je crois qu'il y a des tunnels et des grottes comme ça dans toute la zone morte. Qui sait ce qui rôde là-dessous? Faites bien attention.
Boum. Bonjour. Ok. Bon, j'ai buté pas mal d'ennemis, je vérifie s'ils ont rien lâché. D'accord. Encore des portes bizarres. Ok, on a pu voir qu'il y a des explosifs par endroit. Marche pas, hein. Allez, on y va. Ok. On régène un peu. Parfait. J'essaie de réduire le nombre d'ennemis, mais c'est compliqué. Erreur. Ah merde. Ils allaient rester plus bas plus longtemps. Peut-être l'erreur de ma part, c'est d'utiliser que des petites armes. Par petite rafale. Surtout que la portée de cette arme est pas épique. Je crois que j'avais une grenade, mais non. Tendu, hein. Allez, sors ta tête. Putain. Ils sont tendus du slip. Dégage de là, c'est pas toi que je veux. Il se téléporte en plus. Il y a un coffre. À l'américaine, à l'américaine, voilà. Je devrais pouvoir ouvrir sa cache. Ok, cool. Fais péter. Forteresse type 10, forteresse type 10, jeton de ZDME, secteur oublié, emblème. Cool. Mais ça, c'est pour un autre jour. Ah bah c'était cool, c'était pas facile, mais c'était cool. Revenez me voir au clocher, je mets de l'eau à bouillir. Ouh, il a du thé. Il a du thé, il a dit. Ouh. Ah, ça c'est déjà plus stylé en termes de coloris. Bon, ça c'est un tout petit peu plus stylé. 25, 29. Au revoir. Alors, je vais pas péter les trucs de base, je vais voir si jamais je... Hein. Et apparemment, j'ai un niveau. Oui, j'ai un niveau. Ah, mais... Bon, bah je vais garder le point. C'est pas grave, je vais garder le point. Grenade magnétique, pour moi, ce serait ce qui est... Cette grenade, bah, elle est bien. Grenade incapacitante. Ouais, je vais garder la A. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Je la trouve pas mal, la A. Enfin, la première, pardon.
Maintenez votre carte céleste. Ok. Ah, ouais. Et re-téléportez-vous. Maintenez pour voir vos jalons et suivez votre... Parade. Oui, d'accord. Ok, oui, non. C'est bon. Hop. Allons-y. Bon, bah, c'est sympa, les secteurs perdus. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le jeu, déjà, de base. Extraction de l'humaine. Ah bon, j'arrive. Hop là. Une équipe d'extraction de l'humaine. Putain, ils font mal. Oh la vache! Ils m'ont fait super mal. Puissance conseiller se passe. Ah bah oui, mais dites-le moi maintenant, vous avez raison. Et voilà! C'est ça qui est bon. Par contre, les armes auto-guidées, c'est un peu pété. Hein. Voilà, et de 4. Hop. On se dirige vers un autre site. Oh. Fuite. Hop là. Trouver le prochain site d'extraction, mais je l'ai trouvé, c'est bon, il est là. Alors, vous allez sortir de votre coin ou... Oui, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu aussi. Bon bah, je me fais un événement public et moi tout seul, c'est la fête du slip. Je savais qu'il y en avait un autre. Hop. Merci d'être venu. Ouh. Et bah c'est la fête du slip en termes de loot. Non, enfin je... Je suis tout seul à le penser. Sur cinétique pleine, bon d'accord, ok. Ouais, par contre, par là, je vais avoir beaucoup moins d'emplacement de tir. Je vais être littéralement dans la mêlée. Peut-être combien ? Hop là.
sais pas ce que c'est que ce truc. Hop. C'est pas après toi que j'en ai. Ah la vache. Ils me mettent une misère monumentale. Et j'ai plus que 50 secondes pour l'abattre. L'autre. Aïe. Allez. Wouhou. C'en est fini de leur foreuse. Ah. Extraire du lumen sans foreuse, ça risque d'être... Wouhou. Bon travail. Événement fini à moi tout seul. Le bourrage du Marcus. T'es où? Mais, point américain! Voilà. Par contre, du coup, oui, je veux bien l'event. Enfin, le butin. Merci. Wouh! Eh ben, dis donc. On est bon ou on n'est pas bon? Mais alors, je tiens à remercier Sir Ludo, qui n'a pas bougé son cul depuis une demi-heure. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Chardonnier, fusil d'éclaireur. Ah, fusil d'éclaireur, c'est ça qui est bon. En termes de portée de tir, c'est la fête du cible. Lance-grenade ou fusil à pompe. Il faut être niveau 4 ici. Je suis loin de l'avoir. Ici, il faut le niveau 5. Hashtag quand t'as pas le niveau pour les objets que tu lootes, c'est la vie. Ok. On monte. On va voir notre ami. Tu as quelque chose à me dire? Non? Ça va être le symbole de sauvegarde. Je suis bien au... Voilà, bonjour. Ravi de vous voir. Bah écoute, cette je t'en prie. Fois, je vous avais préparé du thé, mais j'ai déjà tout bu. Peut-être connard. Vous aviez été un peu plus rapide. Oui, bah j'ai eu un événement public à faire tout seul, oui, désolé. Pendant votre bagarre avec les déchus, nous avons eu un léger problème. Quoi? Osorn a placé le dernier relais dans la montagne au-dessus des mines de sel. Mais même à cette hauteur, le signal n'a pas la portée que nous espérions. C'est assez curieux. D'accord. Quoi qu'il en soit, cet amplificateur de signal devrait résoudre tout ça, si on peut le lui faire parvenir. Dans la zone morte, évidemment. Le réseau de communication est en place, mais un avant-poste cabal à proximité crée des interférences pour tous les signaux sortants. Osorn a besoin de transmettre son message aux survivants. Récupérer l'amplificateur de signal de Devrim, pardon, pour aider Osorn. Osorn... En terminant la mission combustion. Je récupère l'objet. Hop, voilà. Et je laisse tout ça ici. Vous voyez que j'ai des jetons, des trucs. Tout ça, je le fais à la fin. Nouvelle activité disponible. La ZME se trouve sous l'ombre d'un fragment corrompu du voyageur. Devrim m'a indiqué des nouvelles activités sur votre carte. Une mission pour trouver Osorn et lui venir en aide. Des aventures pour repousser l'ennemi. Des secteurs oubliés à explorer et des coffres de régions à trouver. Utilisez la carte céleste pour choisir votre prochaine activité et en suivre la progression. Merci. Mais nous, chers amis, on fera ça dans le prochain épisode, je pense. On est à 25 minutes. On va quand même regarder vite fait ce qu'on a là. Ok. Alors, faut savoir que tous ces petits trucs-là, normalement, sont censés être des... Ouah ! Faut que j'enlève le son, par contre. Désolé, c'est pas contre vous. Audio. J'imagine que c'est Sir Ludo qui m'a dit bonjour. Ah non, c'est Snap Clap Trap. Enfin bon, du coup, moi je vous laisse là pour cet épisode et je vous retrouve la prochaine fois. Excusez-moi. Au passage, quand même, je vous montre le clan. Le clan. Voilà, comme j'avais dit que j'allais le faire. Voilà, salut les gens!